Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale honoraire, Monsieur le Vice-président honoraire du Conseil d'État, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la conseillère départementale, Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les élus de la Nation en vos grades et qualités, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le commandant général de division de gendarmerie, Mes chers consoeurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs, C'est toujours une joie. De recevoir un nouveau confrère. J'exprime donc cette joie à titre personnel et au nom de ceux qui seront désormais ses compagnons de travail. M. Louis Vogel a été élu le 27 janvier 2020 dans la section Législation, droit public et jurisprudence au fauteuil numéro 5, laissé vacant par le décès du regretté André Damien décédé le 5 mars 2019, André Damien, sur la vie et les travaux duquel notre nouveau confrère lira la notice qu'il a rédigée à cet effet. Monsieur Vogel a participé à nos séances dès peu de temps après son élection, mais il a dû, lui aussi, attendre assez longtemps, trop longtemps, plus de deux ans, cette cérémonie qui marque son accueil officiel dans notre compagnie. N'est besoin de rappeler les raisons de ce retard, tant la pandémie est encore dans les mémoires et, même si c'est désormais, espérons-le, sous une forme atténuée, dans la réalité. C'est Monsieur Jean-Robert Pitt, notre secrétaire perpétuel, qui va prononcer le discours d'accueil. Je lui cède donc la parole. Ou plutôt, je la lui céderai. Lorsque nous aurons entendu notre premier intermède musical de Handel, la suite What Did Water Music, numéro 2 en Ré majeur, et qui est jouée par une camerata dans laquelle M. Vogel a joué, non pas un instrument, mais un grand rôle. Je cède maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel, Monsieur Jean Robert Pitt, pour le discours d'accueil. Merci, Monsieur le Président. Notre tradition veut que l'on n'énumère pas à chaque discours la, la liste impressionnante des hautes personnalités qui nous ont rejoints aujourd'hui et nous nous réjouissons de leur présence. Donc je dirais simplement chers amis et chers Louis, notre compagnie réunit des membres aux talents divers qui, tous ensemble, sont en mesure d'éclairer nos contemporains sur le fonctionnement des sociétés d'hier et d'aujourd'hui, ici et ailleurs, sur l'action politique au sens large, c'est-à-dire sur la gestion des affaires de la cité, et sur les choix économiques des entreprises, des consommateurs et de l'État. Aujourd'hui, nous installons officiellement parmi nous un singulier confrère qui coche toutes ces cases, qui a multiplié les cordes à son arc, toutes les cordes qui vibrent au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est à la fois un universitaire, un avocat et un homme politique qui ne saurait demeurer des journées entières à sa table de travail ni passer son temps à battre les estrades. Réfléchir, créer le savoir, transmettre, entreprendre, mais aussi réaliser, agir, un mot qui lui est cher depuis 2017 puisque c'est le nom du parti politique dont il est cofondateur. Dirigé avec souplesse, le gant de velours, habillant non pas une main de fer, mais une poigne convaincante. Telles sont les facettes de la personnalité de Louis Vogel qu'il me revient d'éclairer devant vous et qui illustre la devise de feu notre confrère Henri Bergson Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Un beau sujet de dissertation de philosophie en cette veille de baccalauréat. 1954, n'est pas le millésime du siècle en matière de vin. En particulier pour les vins de Moselle qui sont en train de cuver dans les celliers au moment où notre nouveau confrère Louis Vogel voit le jour à Sarrebruck. La floraison des vignes a été tardive, le printemps et l'été ont été pluvieux et un mois d'octobre ensoleillé n'est pas parvenu à sauver une piètre vendange. C'est peut-être pour cela qu'il a renoncé aux boissons fermentées et distillées. Peut-être. L'hiver qui suivra sera encore pire. Il va geler à Pierre Fendre. L'abbé Pierre fondera les compagnons des D'autres malheurs sont survenus en 1954. Nous avons dû rendre à l'Inde les cinq comptoirs dont l'énumération faisait rêver tous les Français et qui inspira à Guy Béard une immortelle chanson. Le président Mendes France a jugé bon de limiter le privilège des bouilleurs de crues. Le premier carambar a été produit à marc en barreul contribuant à gâter durablement le goût des enfants. Le tiers CIPIC a été lancé, visant à ruiner les pauvres en les berçant d'illusions et à remplir les caisses de l'État. Heureusement, heureusement, 1954 a aussi connu de belles journées dont il est plaisant de se souvenir. Je ne retiendrai qu'une, celle du 23 octobre. Outre la venue au monde la veille d'un futur académicien que nous nous réjouissons d'accueillir aujourd'hui, l'OTAN décide l'intégration de l'Allemagne dans le camp occidental, et la réconciliation franco-allemande a accompli un grand pas grâce au chancelier Konrad Adenauer et au président du Conseil, Pierre Malès-France. Les deux dirigeants s'accordent sur la restitution à l'Allemagne de la pleine souveraineté sur la Saar, un land bien ballotté au cours de son histoire, acte qui deviendra définitif le 24 décembre suivant. Décidément, Saarbrück est bien ce jour-là le centre du monde, l'endroit où il faut être, où il faut naître. Le bel enfant grandira dans l'espace supranational pacifié et prospère qu'on appellera plus tard Sarlorlux. Muni d'une double culture, il contribue depuis à faire vivre ce couple franco-allemand qui fut si longtemps orageux et même chaotique et qui est aujourd'hui le socle de notre Europe. Celle-ci est encore fragile, mais comme nous le vivons en ce moment, elle parvient à se rassembler dans une tourmente dont on espère qu'elle sortira affermie. C'est un combat que mène depuis toujours la famille Vogel. D'origine lorraine, celle-ci a toujours vécu de part et d'autre de la frontière. Spoliée par Hitler à Saarbrück dans les années 30, elle se refait une santé en France, attestant ainsi d'un goût prononcé pour l'entrepreneuriat. Les descendants, Louis et Joseph, sont de dignes héritiers de leur grand-père et de leur père Mansui, Mansui, qui portait un si rare et si joli prénom de saint laurent Mansuetus, le doux, le bienveillant, le bon, le paisible. La famille vit à Beach. Les activités d'une scierie, que l'on devrait normalement vous montrer si la technique fonctionne. Voilà. Et d'une cristallerie, deux activités en déclin. Madame Mère, qui dessine des vases pour l'usine familiale, retourne accoucher à coucher à Sarrebruck, où elle connaît tout le monde et se sent chez elle. L'éducation du jeune Louis est confiée aux jésuites du collège Saint-Clément de Metz, un couvent chargé d'histoire et qui est alors proche de la fermeture. Il est des lieux où souffle l'esprit. Étudié dans la basse-ville au bord de la Moselle, c'est communier avec Ozone et avec Verlaine, qui célébra si bien dans son poème consacré à Metz la rivière aux ondes prolifiques, ses coteaux boisés, ses vignes en feu. Même si de crainte que s'écroule la cathédrale à cette époque ne sonne plus la mute, la célèbre cloche médiévale que Verlaine appelait « cette grosse voix du bon Dieu ». Grâce au ciel et à de bons architectes, elle a repris du service. Saint-Clément, le Collège Saint-Clément, compte parmi ses anciens élèves deux autres membres de l'Institut. Un éminent confrère de notre compagnie, ainsi que de l'Académie française, Alexis de Tocqueville. Et un autre membre de l'Académie française, le maréchal Ferdinand Foch. Nul doute qu'ils ont veillé sur le jeune Louis Vogel et lui ont transmis à la fois une vision libérale du monde et le courage, celui de ses opinions et surtout selon la prière de saint Ignace, puisque c'est un collège jésuite, celui de combattre sans souci des blessures et de travailler sans chercher le repos. Qu'a-t-il appris d'autre dans ces lieux Le latin, dit-il sans hésiter, cette indispensable langue de précision et de culture, sans laquelle on ne saurait devenir un vrai plaideur, ni un orateur clair et chaleureux. Plusieurs d'entre nous ont le souvenir de l'enthousiasme des lycéens venus l'écouter le 17 décembre dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, grâce au recteur Guerrero, qui est notre porte-parole auprès des lycéens parisiens, pour parler des nouvelles voies de l'éloquence dans le cadre de notre cycle des académiciens en Sorbonne. Le latin fait de lui un parfait quadrilingue avec le français et l'allemand qui appartiennent à ses gènes et à l'anglais. Et l'anglais qu'il a perfectionné dans ce temple du droit qu'est la Yale Law School. Chez les jésuites, on apprend aussi à supporter un genre de vie austère et même sévère. Et comme l'écrivait Voltaire à son ancien maître de Louis le Grand, le père Charles Poré, on apprend à fuir les bassesses, à savoir vivre comme à savoir écrire. Il s'initie enfin au métier de chef en dirigeant le groupe des enfants de cœur du collège. Voici le jeune Louis solidement équipé pour braver l'adversité et le vaste monde. Jusqu'à ce qu'il jette l'ancre au pied du Panthéon, il sera d'ailleurs un étudiant et un professeur girovague. Son père le pousse à entamer des études de droit public, privé et comparé, qui le mènent à Nancy en 1973, à l'Université parisienne et à Sciences Po en 1976, à Yale pour un Master of Laws en 1982. Il y suit les enseignements de W. Michael Reisman, éminent spécialiste du droit international, ainsi que ceux de Guido Calabresi, l'un des fondateurs de l'analyse économique du droit. Il découvre une conception de l'université décomplexée vis-à-vis -vis du souci d'excellence, également vis-à-vis -vis de l'argent et du monde de l'entreprise ce qui est loin d'être le cas en France dans les années 1980. Par bonheur, les temps changent. Nous avons appris, grâce à un sondage récent commandé à l'IFOP par le club d'Iéna, fondé par Louis Vogel, que désormais 86% des étudiants pensent qu'il faut renforcer la place des entreprises à l'université. C'est une véritable révolution. Louis Vogel achève sa formation à l'université Panthéon-Assas pépinière de la section législation de notre Académie, cinq membres sur huit. Il choisit la voie du droit privé, qui le stimule, car selon lui, celui-ci implique la rigueur intrinsèque au droit, mais aussi le goût du risque, deux qualités dont il a su faire preuve tout au long de sa vie. Il retire son dossier de candidature à l'ENA lorsque le professeur Bertolt Goldman, ancien président de cette université, inventeur du droit commercial européen, le choisit comme assistant, et encadre son doctorat d'État qu'il obtient en 1985 en soutenant une thèse portant sur la concentration économique et les systèmes de droit de la concurrence. Dès cette époque, sa religion est faite. Comme me l'a expliqué Joseph Vogel, ici présent, le droit économique ne doit pas être subordonné à l'économie, mais doit impérativement garder son autonomie et préserver la décision des entreprises. Le contrôle des opérations de concentration des entreprises ne peut interdire la croissance interne naturelle de celles qui ont dépassé certains seuils de part de marché grâce à leur mérite. La liberté d'entreprendre est sacrée. Il faut alléger les contraintes des entrepreneurs, renoncer aux illusions de l'économie administrée, du protectionnisme juridique, du solidarisme, c'est-à-dire de la bonne conscience qui appauvrit toute la société. Il a plaidé pour ses thèses dans différentes instances françaises, jusqu'à la Cour de cassation et à la Cour de justice de l'Union européenne, qui l'a suivi en décidant qu'il appartient à la tête d'un réseau de distribution de définir elle-même le nombre de ses distributeurs en fonction de son image de marque et de sa stratégie commerciale propre, sans pouvoir y être contrainte par un candidat à l'entrée dans ce réseau. Ces idées ne sont pas partagées par tous les responsables politiques français, ni enseignées par tous les professeurs d'économie. Notre section économie, politique, statistique et finances en sait quelque chose après avoir à deux reprises analysé les programmes et les manuels d'économie des lycées. Vient ensuite l'agrégation de droit privé en 1989, qui le conduit à occuper successivement des chaires à Orléans, à Nanterre, au Collège d'Europe de Bruges, un moment très exaltant de sa carrière, et enfin, en 1994, à l'université Panthéon-Assas où il enseigne le droit économique français et européen. Douze ans plus tard, il en est élu président, presque par hasard, prétend-il. Son récit de l'événement est savoureux, je le cite. Quand j'ai posé ma candidature à la présidence d'Assas, j'ai levé le doigt. Beaucoup, beaucoup de gens croyaient que c'était pour poser une question au candidat qui se présentait. On me créditait de 5% des suffrages, et j'ai obtenu 75%. Il le dit avec beaucoup de modestie. Au cours de son mandat, qui dure de 2006 à 2012, plusieurs réformes voient le jour, dont il est l'un des rares présidents d'université à avoir su faire profiter son établissement. La loi et les rues, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, les investissements d'avenir, grâce à sa force de persuasion, il réalise de grands travaux. Il instaure le principe de parcours étudiants différenciés en créant une filière réussite pour ceux qui ont des lacunes et des filières d'excellence, des bilicences et une école de droit, moyen d'attirer les meilleurs bacheliers. Il organise une fois par an une foire aux emplois permettant de mettre en relation les jeunes diplômés avec leurs futurs employeurs des cabinets d'avocats, des entreprises, des institutions publiques. Il crée le concours de plaidoirie et la maison du droit qui permet à des visiteurs extérieurs de bénéficier de conseils juridiques de la part de professionnels aidés d'étudiants. Grâce à ces deux institutions qui ont survécu, ceux-ci apprennent ainsi plus rapidement leur futur métier. Toutes ces innovations étaient indispensables à l'heure où certaines grandes écoles, dont celle de la rue Saint-Guillaume, ouvrent des filières juridiques qui viennent concurrencer directement ce qui fut longtemps un confortable mais déclinant monopole universitaire. Pour avoir observé ce qui se passait à Panthéon-Assas depuis l'autre rive de la rue Saint-Jacques, je puis dire que Louis Vogel a fait souffler sur cette maison un grand vent d'air frais celle que l'AERS qualifiait en 2009 d'îlot hors du monde et ses détracteurs de temple du conservatisme, va parvenir à garder son indépendance en résistant aux sirènes fusionnelles, mais en se modernisant en profondeur et en rayonnant sur le monde du droit francophone. Un média parlera à la fin de son mandat de méthode Vogel. Habituellement, les universitaires sont allergiques aux réformes, chacun le sait et j'en sais quelque chose pour avoir exercé dans la maison voisine les mêmes fonctions que Louis Vogel au même moment. C'est l'un de nos deux points communs, d'ailleurs, l'autre étant d'être membres tous les deux de la confrérie des chevaliers du Brie de Melun, dont la fière devise est fidélité, loyauté et courtoisie. Ce pourrait être aussi celle de l'Académie des sciences morales et politiques. Cette intense et efficace activité administrative ne l'empêche pas de beaucoup publier une quinzaine d'ouvrages scientifiques et une quarantaine de directions ou de co directions de volumes, des centaines d'articles en français, en anglais, en allemand, portant sur ces spécialités, s'y ajoutent trois essais destinés au grand public, portant l'un sur l'université et l'autre sur la justice, le troisième sur l'Europe. Il est parvenu à la conviction qu'il faut harmoniser les droits des États membres de l'Union européenne et inventer un code européen des affaires. Son absence rend en effet Très difficile l'accès au marché des entreprises extra-européennes qui le jugent opaque et impraticable. En matière de justice, il dénonce dans Justice année zéro un fonctionnement vétuste et prône des réformes profondes permettant de répondre à la demande pressante de tous nos concitoyens de bénéficier d'une plus grande protection. Elle concerne la politique de la peine, la lutte contre les trafics, le défi du terrorisme, la justice des mineurs. La figure contemporaine du juge, le rôle du ministère de la Justice. En raison de la configuration politique et syndicale insolite et bien entendu de ses qualités propres, survient un petit coup de tonnerre dans le Landerneau universitaire. Le, pan le président de Panthéon Assas est élu en 2010 président de la Conférence des présidents d'université, où il parvient à fédérer les énergies souvent très centrifuge et à infléchir la relation université-État. Il n'est pas dans la posture géniarde et quasi générale de ceux qui demandent toujours davantage de moyens au pouvoir public sans rien proposer en contrepartie. Il pense que les universités doivent se prendre en main et se réformer. Pour mieux convaincre, il publie L'Université, une chance pour la France, un court essai qui s'achève par dix propositions, comme il l'écrit, pour revenir parmi les meilleurs. Elles sont plutôt décoiffantes. Mais simple, sage et toujours d'actualité, car bien des membres des communautés universitaires y sont encore réticents et répugnent à les mettre en œuvre. Les voici. Revoir la pédagogie, ne pas se spécialiser dès la première année, différencier les universités, diversifier les parcours au sein de chaque université, admettre de véritables dérogations au système d'admission post-bac, abandonner l'idée d'une sélection en première année à l'université rééquilibrer les pouvoirs internes au profit des universitaires, favoriser les regroupements sans nuire aux disciplines minoritaires, introduire des droits d'inscription progressifs, favoriser l'investissement des entreprises dans l'université c'est un véritable programme révolutionnaire. Les deux derniers points sont les plus clivants des dix. Tous témoignent, en tout cas, de l'influence de la spécialité juridique de Louis Vogel sur sa conception de l'université sans se remettre en cause et prendre des risques, elle demeurera la dernière roue du carrosse de l'enseignement supérieur français. Parallèlement à cette brillante carrière universitaire, Louis Vogel crée en 1990, avec son inséparable frère Joseph, un cabinet d'avocats, Vogel et Vogel, que tout le monde appelle affectueusement Dupont et Dupont, avec un D et avec un T, bien que les deux associés soient plus dissemblables et complémentaires que les deux policiers d'Hergé. C'est pour ne pas rompre cette complicité avec Joseph, que Louis renonce à s'installer aux États-Unis où Yale lui ouvrait ses portes. La famille s'est sacrée, proclame-t-il haut et fort. Le cabinet spécialisé dans la concurrence réunit aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. Il s'est diversifié et est devenu pointu dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la simulation en droit économique. Le tout premier client du cabinet est l'entreprise Mercedes Benz dont le dirigeant a lu les travaux universitaires de Louis, preuve de l'intérêt d'associer la recherche, l'enseignement et l'application au monde de l'entreprise. Ce faisant, le cabinet acquiert une structure internationale forte des entreprises de poids font appel à ses services Bouygues, TF1, Renault, PSA, GDF, Suez, Chevrolet, etc. Louis est inscrit au barreau de Paris, de Francfort, de Bruxelles et de New York. Un événement, et non des moindres, vient se greffer sur ce volet de l'activité de notre confrère. Les bureaux où s'installent les deux frères à leur début, qu'on devrait vous montrer normalement, ont besoin de travaux. C'est alors que Chantal Ladoux, une talentueuse architecte, entre en scène dans la vie de Louis en emportant le marché et le client. Louis l'épouse en 1994 et depuis, elle est la muse de sa vie, son inspiratrice et son aiguillon quotidien. Vogel et Vogel a démarré il y a 30 ans avec trois collaborateurs. Ils sont maintenant plus de 40, voués certes à la plaidoirie, mais aussi au conseil juridique aux entreprises. Les clients bénéficient de services gratuits, lettres mensuelles, blogs, podcasts, accès à une documentation classée, etc. Le cabinet a créé une filiale, Vogel Digital, une plateforme web qui constitue une énorme base interactive de données. Touchant au droit économique, l'objectif est de permettre à ses clients d'accéder au plus vite à l'information dont ils ont besoin pour se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. À l'échelle internationale, Louis et Joseph ont créé le Vogel Global Competition Network, qui réunit 50 cabinets du monde spécialisés dans le droit de la concurrence, ainsi que la Vogel Academy, destinée à la formation continue des avocats et juristes d'entreprise. On peut affirmer que les deux frères ont inventé le concept d'avocat augmenté. Tout cela suffit à bien remplir les journées, mais il manque un terrain de jeu à Louis Vogel, la sphère politique, au sein de laquelle il veut mettre en œuvre ses convic les convictions qu'il a acquises à l'université et dans les prétoires. Peut-être n'y aurait-il pas pensé car ce n'est pas un militant historique, ou n'aurait-il pas osé si l'université Panthéon-Assas ne possédait pas, depuis 1987, une antenne à Melun. Celle-ci est passée en quelques trois décennies de 200 à plus de 2500 étudiants, et elle est devenue une véritable université de proximité très attractive. Elle reçoit 6000 demandes par an, dans le cadre de la procédure Parcoursup, pour 900 places en première année. Dans cette ville dont beaucoup de jeunes vivent à mille lieues des lumières parisiennes qu'ils ne fréquentent jamais, cette institution qui accueille 40 de boursiers Devient un instrument de promotion sociale par le mérite et aboutit à une insertion professionnelle réussie de ses diplômés grâce à des liens étroits avec le tissu social des entreprises. Même si le taux d'échec en première et deuxième année de licence demeure encore élevé, comme partout hélas, c'est un modèle remarquable pour l'avenir des universités qui doivent toutes imaginer des parcours différenciés permettant à chaque étudiant de réussir grâce à une orientation intelligente et précoce. Ainsi que des passerelles à tous les niveaux, au lieu de continuer la pratique démagogique de la sélection par l'échec encore trop répandue. Bousculant la vache sacrée de l'égalitarisme, Louis Vogel écrivait dès 2010 dans l'Université Une chance pour la France substituons un système où beaucoup d'étudiants réussissent en des endroits différents, dans des formations sanctionnées par des diplômes différenciés, à un dispositif où un grand nombre échoue. En tentant d'obtenir le même diplôme dans des universités en apparence égales. En attendant qu'une véritable différenciation entre établissements se mette en place, ce qui prendra du temps, créons des parcours différenciés à l'intérieur même de chaque établissement. De même, notre nouveau confrère plaide-t-il avec ardeur pour le développement de l'apprentissage, pour lequel l'enseignement supérieur français est très en retard. Ces points de vue ont beaucoup progressé depuis, souhaitons qu'ils se généralisent très vite. Un récent colloque organisé dans nos murs par le Club d'Iéna, le groupe de réflexion politique créé par Louis Vogel, a montré que les lignes semblent enfin bouger dans ce domaine, sauf malheureusement dans les lettres et les sciences humaines. La diversification des financements est urgente et Louis Vogel a lancé des idées nouvelles en ce domaine, idées qui auraient fait descendre des foules étudiantes dans la rue il y a quelques années. Nous souhaitons que cette hirondelle fasse très vite le printemps et que jamais plus on entende un ministre dire... Vous n'y pensez pas, ça ne passera jamais. Vous savez bien que lorsque le dentifrice est sorti du tube, on ne sait pas comment l'y faire rentrer. Mais revenons à Melun. Ces dernières années, l'antenne de Panthéon-Assas à, à Melun a été rejointe par deux autres antennes, l'une du Conservatoire National des Arts et Métiers, l'autre de la Faculté de Médecine de l'Université Paris-Est de Créteil. Ce campus d'un genre original, devenu établissement public expérimental, joue le rôle d'un véritable ascenseur social. Les meilleurs étudiants rejoignent les grandes structures parisiennes en master et doctorat. Ce faisant, Louis Vogel tisse des liens étroits avec la municipalité et après la fin de son mandat de président en mars 2014, il se présente aux élections, devient premier adjoint au maire, puis président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Comme il s'y était engagé, Gérard Millet lui cède la place deux ans plus tard et il est réélu maire en 2020 à l'issue d'une triangulaire au cours de laquelle il obtient la majorité absolue, de même qu'à la tête de la communauté d'agglomération. Melun le passionne et son activité d'édile l'aide à réfléchir aux réformes réglementaires qui s'imposent dans la relation encore trop bureaucratique entre l'État et les collectivités territoriales. Le temps manque pour passer en revue les réussites municipales une liaison de bus présentant les mêmes avantages que le tramway. La reconversion du pôle aéronautique en déshérence et la création sur place de 4000 emplois, un partenariat avec le Louvre pour y faire venir les habitants de sa ville, la création d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, coprésidé par le maire et le procureur de la République, qui s'attaque résolument à un problème grave de la ville et qui pourrait inspirer de nombreuses agglomérations françaises. Comme Saint-Louis, il se rend chaque semaine sous un chêne, en l'occurrence, dans l'un des neuf quartiers de la ville, et de 14h à 20h, écoute les doléances de ses concitoyens. Je demande seulement à l'équipe municipale, sans doute présente ici aujourd'hui, de nous le laisser tous les lundis après-midi, parce que nous avons besoin de lui à l'Académie. L'éducation nationale a rarement autant bougé qu'au cours de ces cinq dernières années, et il faut en remercier Madame le ministre qui est ici présente. Souhaitons que le bilan et les projets de Louis Vogel. Nourrissent l'action gouvernementale des cinq années qui viennent. Entre-temps, il a cofondé en 2017 le parti Agir et en 2019 le groupement de La République des maires, dans lesquels il se sent libre de dépasser les habituels clivages de la vie politique française, sans rien renier des valeurs auxquelles il est attaché depuis sa jeunesse. Il est élu en 2021 au Conseil régional d'Île-de-France, à la tête d'une liste de larges rassemblements intitulée « Envie d'Île-de-France. Comme il le dit, il y a des gens conservateurs à droite comme à gauche, et il y a des gens actifs à droite comme à gauche. Peu lui chaud que cela ne plaise pas à tout le monde. Ses choix et ses actions, qui s'approfondissent année après année, témoignent non pas d'une ambition personnelle dévorante, mais d'une volonté de réformer notre enseignement supérieur, les institutions et les pratiques politiques de notre pays, ainsi que son ancrage dans une Europe unie et forte, dans une mondialisation construite au service de tous. J'aimerais terminer ce portrait en évoquant une nouvelle fois le fort ancrage européen de Louis Vogel. En 2018, il a signé un manifeste intitulé Les sept péchés capitaux de l'Europe. Il y fustige l'Europe passoire, qui n'a pas su renforcer ses frontières extérieures, et l'insuffisance de mobilité intra-européenne, à la différence de ce qu'elle est aux États-Unis ou même en Chine. Les échanges d'étudiants sont par exemple encore beaucoup trop faibles. Il appelle à un changement de mentalité des parlementaires européens. Qui pensent encore trop à la défense étroite des intérêts particuliers de leur pays. Enfin, il est partisan de développer des ressources propres de l'Europe, différentes des contributions des États. Louis Vogel plaide pour qu'elle se réforme au plus vite. Je le cite Aidons cette Europe à sortir de sa chrysalide. Provoquons sa mue autour d'avancées réelles, sans nous payer de mots ni de formules. Les citoyens attendent une Europe concrète et pragmatique qui améliore de façon tangible leur quotidien. Qui assurent leur protection dans un monde tourmenté et qui portent une vision politique forte, faisons émerger une Europe conçue par et pour les citoyens et non pas par et pour les technocrates de Bruxelles. N'oublions pas les mots de Jean Monnet Nous ne coalisons pas des États, les États, nous unissons les hommes. La Deuxième Guerre mondiale a eu comme l'une des rares retombées positives la naissance d'une Europe unie. Hélas, cette dernière se révèle souvent bien hésitante. La sinistre guerre d'Ukraine aura peut-être pour mérite de la renforcer et de lui redonner une espérance. Je saisis l'occasion de ce propos pour vous montrer un tableau qui correspond, je crois, au goût artistique de Louis Vogel et qu'il aimerait avoir dans sa collection. Il s'agit d'une œuvre de Hans Hartung qui est aux couleurs de l'Ukraine. Vogel, dans les contrées germaniques, c'est l'oiseau. Symbole de légèreté, Erich Commission Vogel. Pardon pour mon accent. C'est un drôle d'oiseau, disent les Allemands. Cela va bien à notre confrère. Celui-ci a du poids en matière de droit théorique et appliqué, désormais aussi sur le plan politique, mais il a le caractère léger, prime-sautier et joyeux associé à son nom. Il est enthousiaste, extraverti. Comme il le dit lui-même, j'ai besoin de ça écouter, discuter, être avec les gens. Il aime aussi mettre la main à la pâte. C'est tout ce qu'il nous faut au sein de notre compagnie si nous voulons à la fois être écoutés, améliorer la vie de notre pays et prendre du plaisir à nous retrouver tous les lundis afin de contribuer à faire bouger les lignes au sein de notre société sans provocation ni pusillanimité. André Damien, dont nous allons entendre la lecture de la notice sur la vie et l'œuvre dans un instant, possédait lui aussi cette joie de vivre, ce sens de l'humour qui mettait les rieurs de son côté, même ses adversaires politiques. À un avocat doublé d'un maire de grande ville, succède un autre avocat doublé aussi d'un maire de grande ville, même si Versailles et Melun n'ont guère de points communs, ne serait-ce que parce que Versailles n'a pas de fromage. Nous accueillons de plus un chercheur, un professeur, un pédagogue hors pair, un meneur d'hommes qui saura nous aider à accroître le rayonnement de notre académie, à la faire évoluer, comme il a su le faire pour le droit de la concurrence dans son université, à la conférence des présidents d'université dans sa ville. Mon cher Louis, nous t'attendions. Sois le bienvenu parmi nous. Nous allons donc écouter notre deuxième intermède musical, toujours du Handel. Je cède maintenant la parole à notre nouveau confrère qui va lire la notice qu'il a rédigée sur la vie et les travaux du regretté André Damien. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Mesdames, Madame la secrétaire, le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Secrétaires perpétuels, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis, le président Rémi Brague a déjà salué les personnalités qui honorent cette cérémonie de leur présence, elles me permettront de ne pas mentionner à nouveau leur titre. Je tiens toutefois à vous remercier chaleureusement, Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, d'avoir accepté de présider mon comité de l'épée et de me donner l'occasion aussi de me battre à vos côtés dans le nouveau parti politique Horizon que vous avez créé. Ma reconnaissance va également à vous, mesdames les ministres, cher Frédéric Vidal, Amélie de Montchalin, Marlène Schiappa, Sophie Cluzel, qui me fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie vivement les membres du comité d'honneur, avec une pensée toute particulière pour Alain Abécassis, qui vient de nous quitter et que nombre d'entre nous aimions profondément. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. L'orchestre symphonique Melun-Val-de-Seine et son chef Jean-Michel Despin, la confrérie Dubry, Dubry de Melun, et son président Dominique Carion, les membres du comité d'organisation et le personnel de l'Académie. Enfin, je remercie tout spécialement mes confrères Yvon Gattaz et Haïm Corsia, ainsi que les nombreux amis d'André Damien qui m'ont fait découvrir et apprécier un homme à la personnalité très riche et très complexe fréquentant les cercles les plus divers et surtout toujours attentif aux autres. Je n'ai pas connu personnellement André Damien, mais j'ai appris à le connaître et à l'aimer grâce aux témoignages de ses amis. Né à Paris en 1930, le jeune André Damien vit d'abord à Châlons, puis à Marseille durant la guerre, puis à Versailles pendant ses études secondaires et supérieures, avant de rejoindre l'Algérie, l'Algérie natale de sa mère. Il revient en métropole après avoir participé à la guerre d'Algérie. Il aimera l'Algérie et la vie militaire, et obtiendra par la suite le grade de colonel dans la réserve. De cette période, il conserve une passion pour la musique militaire et un goût prononcé pour le verbe fleuri des corps de garde, mais dont la bienséance m'empêche de vous donner quelques exemples aujourd'hui. Il entame ensuite de brillantes études juridiques à la faculté de droit de Paris avant de devenir premier secrétaire de la conférence du stage. Il est successivement avocat au barreau de Versailles, bâtonnier de l'ordre président de la Conférence des bâtonniers et enfin conseiller d'État entre 1981 et 1997. Il mène en parallèle une carrière politique. Il est maire de Versailles de 1977 à 1995, conseiller général des Yvelines de 1979 à 1998 et député des Yvelines durant une année entre 1996 et 1997. Il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1994 au cinquième fauteuil de la section législation, droit public et jurisprudence. Il succède ainsi notamment à Alexandre Millerand, président du Conseil en 1920 et président de la République entre 1920 et 1924 socialiste réformiste, à qui l'on doit la réduction du temps de travail à dix heures par jour, et la création de l'Office national ouvrier, qui deviendra plus tard l'ANPE, puis Pôle emploi et bientôt peut-être France Travail. Il succède, il succède aussi à deux grands juristes et professeurs de droit Jules Badevan, internationaliste, président de la Cour internationale de justice, et Henri Mazot, l'un des plus grands civilistes français. Il est président en 2006 de notre Académie, où il se montre très assidu, jusqu'à ce que son état de santé lui interdise de participer aux séances. Il décède le 5 mars 2019 à Versailles. Mais qui est André Damien André Damien, est un homme aux multiples facettes et, en réalité, riche, comme beaucoup d'entre nous, de nombreuses contradictions, volubile, plein d'humour, conférencier hors pair, doué d'un véritable talent d'improvisation, merveilleux compagnon de table et de voyage, et pourtant très discret, notamment sur un sujet qui lui tient à cœur la religion. Homme de Versailles, où il vit seul dans son appartement, célibataire endurci, entouré de femmes, sa mère, qu'il aimait tant, sa seconde mère, Lily, et sa chère gouvernante, Lucette. Et puis aussi homme de Paris, où il fréquente assidûment les salons, à la manière de Proust. Lieutenant-général de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et... Ce qui n'est pas pour déplaire à notre perpétuel chevalier du Tastevin, se rendant qu'éconti Conti à bord de sa mythique de chevaux, mais en habit d'académicien, regrettant toute sa vie de n'avoir pas été nommé grand-croix de la Légion d'honneur, mais se faisant inhumer dans la robe de bure du tiers-ordre dominicain. Difficile donc de dresser un portrait. Aux lignes claires d'André Damien. Tant cet homme se nourrit de ces contrastes et existe par eux. Que dit-il de lui-même et qu'en disent ses amis? Notre confrère Alain Plantet, alors président, qui le reçoit à l'Académie, le fait parler. Vous collectionnez tout, me dites-vous, notamment les mandats et les charges qui en résultent, en tirant quelques gloire. Vous avez raison, car vous collectionnez aussi les admirateurs. Et les amis. Mais son épée le trahit. Sur la garde, on trouve bien sûr les armes de Versailles, mais aussi l'encre de miséricorde qui conduit les pêcheurs vers les valeurs éternelles. Son ami François Gibaud le décrit ainsi Mi-curé, mi-libertin et poseur de bombes, autant que gendarme, André Damien est face et pile, l'art et cochon. Tout est son contraire. Ce vieux Voltaire de Bénitier se démène comme un diable, avec la souplesse du serpent et du renard la ruse. Un Damien peut en cacher un autre. L'éclétisme d'André Damien cache des engagements profonds et son art du compromis des convictions inébranlables. Un éclectisme qui cache des engagements profonds. André Damien est un collectionneur invétéré. Il aime par-dessus tout les décorations, les épées d'académiciens, les livres d'histoire, spécialement l'histoire napoléonienne et l'histoire de l'Église, les portraits et les caricatures, surtout, d'avocats, qu'il amasse avec abondance dans son appartement versaillais. Véritable caverne d'Ali Baba. Cet appartement tient plus du cabinet de curiosité que du musée. Deux mèches de cheveux de l'empereur, un morceau de boiserie du cabinet où est mort Napoléon Ier, un attelage de Napoléon III, l'album du général Mallard, chef adjoint du protocole, contenant les photographies des voyages du président de la République, Armand Fallière, etc., etc. Pour savoir exactement ce qu'il contenait, Reportons-nous au catalogue de la vente André-Damien qui vient d'avoir lieu le 4 février dernier. L'épée d'académicien du révolutionnaire Boissy d'Anglas y voisine avec un impressionnant buste de Louis XVI, qui fait pendant lui-même au buste de la République, celui-là même qui était posé sur le bureau de Georges Clémenceau. Le bâton de commandement du maréchal leclerc avec celui du maréchal pétain le témoignage manuscrit du pèlerinage de huysmans à lourdes avec une branche de pin plantée sur la tombe de napoléon à sainte-hélène en réalité damien collectionnait les hommes plus que les objets et s'amusait des contradictions de l'âme humaine et surtout de la sienne sa collection de décorations Couvre toutes les périodes de notre histoire, de l'Ordre de Saint-Louis à la Croix de la France libre, et tous les pays du monde, de la Grande-Bretagne à la Tunisie, en passant bien sûr par le Vatican. À côté des décorations des autres, il y a aussi, et je dirais surtout, celle d'André Damien lui-même, celle dont il était titulaire et si fier. André Damien a été, Grand officier de l'Ordre de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, de l'Ordre des arts et des lettres, de l'Ordre du mérite agricole et de l'Ordre des palmes académiques. Il était aussi Chevalier Grand-Croix de, de Grâce magistrale de l'Ordre souverain de Malte, de l'Ordre de Pie IX, de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand et de l'Ordre des caisses du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Mais André Damien ne se contente pas de collectionner. Il va toujours au bout de ses passions. Membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'Honneur et du Conseil des Arts et Lettres, il publie en 1991 un grand livre des ordres de chevalerie et des décorations, et en 1995 un ouvrage consacré à l'art et à la manière de les porter. André Damien est un classique sensible au goût de son époque. Il n'aime pas Ferdinand Céline, auquel il reproche son style argotique et artificiel, sans même parler des conditions spartiales dans lesquelles il le recevait sa veuve. Jean Dubuffet, qui comptait lui confier la gestion de sa fondation, mais qui, après leur premier rendez-vous, sentant qu'André Damien n'éprouvait que peu d'attirance pour l'art brut, renonce à son projet. Il aime Chateaubriand pour sa finesse L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter. Il aime Léon Blois pour sa sensibilité sociale. Le temps est un chien qui ne mord que les pauvres. Il aime Huysmans, dont le tempérament lui correspond tellement. Il sera pendant 34 ans président de la société Huysmans, qui réunit les amis de l'écrivain. Huysmans qui déclarait dans l'oblat à propos du vin notre Seigneur n'a pas trouvé de plus auguste matière pour la transformer en son sang. Il est donc digne et juste, équitable et salutaire de l'aimer. Il aimait Anatole-France, surtout l'Anatole-France de l'île des Pingouins, qu'il qualifie de prince de l'ironie, lorsqu'il se moque de l'autorité. Il a au plus haut degré ce qu'on appelle l'autorité. On l'écoute avant même qu'il ait parlé, ou lorsqu'il se moque des apparences. Il n'y a plus que les bibliophiles qui aient des bibliothèques, et l'on sait que cette espèce d'homme ne lit jamais. Pour Anatole France, l'ironie doit s'inscrire dans des limites qu'André Damien fait sienne. Elle ne doit pas être cruelle, railler ni l'amour, ni la beauté, mais permettre de se moquer des sots, de se moquer des méchants. Que sans cela, on aurait la faiblesse de haïr. Ces quelques traits font d'André Damien le convive idéal, aussi bon vivant que spirituel. Les salons parisiens s'arrachent le maire de Versailles. Ils font aussi de lui un orateur à l'éloquence exceptionnelle, celle que seuls le, les véritables érudits possèdent et qui lui assure un succès constant dans les innombrables conférences qu'il donne soit à versailles soit à l'académie andré damien est aussi un passionné d'histoire en particulier celle de napoléon il s'est véritablement pris de passion pour napoléon il est tombé amoureux de napoléon au point de faire le pèlerinage de sainte-hélène le souvenir de la captivité de napoléon ier à sainte-hélène annoté de la main de l'empereur occupe une place de choix dans sa bibliothèque de l'empereur, il connaît tout. Il affectionne tout particulièrement les anecdotes méconnues, les anecdotes qui glanent au hasard de ses lectures, la petite histoire dans la grande. En effet, à part lui, qui connaît les dates de séjour de Napoléon à Bourguin-Jalieu au cours de telle ou telle campagne militaire, où le repas du menu servi à l'empereur le ce même soir Cette admiration sans réserve, il la pratique au quotidien. Maire de Versailles, il offre à ses invités, en guise de cadeau d'adieu, l'eau de colonne de Napoléon, dont il a acquis le brevet. Mais les passions éclectiques d'André Damien n'empêchent pas des engagements profonds. André Damien est d'abord un homme d'une grande foi qui a passé sa vie au service des autres et de l'Église dont il a été un témoin fidèle, attentif, engagé et exposé. Il ne confond pas le temporel et le spirituel, mais ne les oppose pas non plus. Chevalier de l'Ordre de Malte, lieutenant général de l'Ordre du Saint-Sépulcre, gardien de la couronne d'épines, il n'est pas insensible à la pompe de l'Église et apprécie les honneurs de la cour ecclésiale auxquels il a droit. Il était très fier d'avoir organisé une rencontre à Rome, entre le cardinal Ratzinger, qu'il avait recommandé, d'ailleurs pour être membre correspondant de notre académie, et l'académie des sciences morales et politiques, peu de temps avant le conclave, qu'elle est faire du cardinal Ratzinger, Benoît XVI. Mais au-delà du cérémonial, auquel il tient, il y a un autre Damien, le Damien des Béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. André Damien refusera tout panégyrique le jour de ses obsèques, car disait-il, Seul Dieu me connaît. Il n'hésite pas à donner de son temps en acceptant. Tous les mois, des dossiers de personnes en difficulté qu'il défend gratuitement. Toujours entouré d'une cour de jeunes en quête de réussite, il les lance, qui en politique, qui dans l'avocature. Le jour où le président Chirac lui remet sa décoration de grand officier de la Légion d'honneur, il invite non pas les grands qu'il fréquentait, mais les petits, ceux qui se sont occupés de sa mère et de Lily. On l'imagine riche, car il se comporte toujours en véritable amphitryon, mais il n'est que généreux. Il accompagne sa mère jusqu'à la fin et rend une visite quotidienne à sa chère Lily dans sa maison de retraite jusqu'à sa disparition. Les hasards de la vie feront d'André Damien le maire de Versailles, mandat qu'il a longtemps cumulé avec celui de conseiller général, chef de file d'une liste. Qu'il n'avait pas constitué suite au décès soudain de l'héritier légitime, il a su, grâce à une finesse et une capacité d'adaptation hors du commun, parfaitement endosser des habits qui n'avaient pas été taillés pour lui. Il a toutes les qualités requises pour être maire, aussi à l'aise avec les préfets qu'avec les cantonniers de la ville, qu'il à avenue de Paris pour demander des nouvelles de leur enfant. En vrai maire, André Damien avait une connaissance très fine de la vie de ses administrés. Il était un précurseur. À une époque où le mandat de maire, surtout d'une ville comme Versailles, était souvent cumulé avec un mandat national, il n'est que député une année, du fait de la dissolution de l'Assemblée par le président Jacques Chirac. Pendant 18 années, soit trois mandats, il renoncera à se présenter une quatrième fois versailles a trouvé en andré damien son avocat son défenseur andré damien lui a trouvé un terrain d'action où il avait la main et qui lui a permis d'exercer ses talents et de s'investir entièrement au service de sa ville l'évêque de versailles monseigneur aumônier qui prononce l'homélie le jour de ses obsèques ne s'y trompe pas monsieur le maire tel est le titre auquel sans dédaigner les autres, vous teniez le plus. Versaillais, provincial plus que parisien, conservateur plus que révolutionnaire, André Damien vit sa ville. Il est membre de l'Académie de Versailles. Et il sait la défendre, lui redonner du lustre, protéger son patrimoine, interdire les démolitions notamment en modifiant un plan d'occupation des sols qu'il trouvait trop libéral. Et les résultats sont là. Versailles lui doit notamment la rénovation des halles de la place du Marché Notre-Dame, la réalisation du palais de justice et la réhabilitation de la maison de Madame Elisabeth. Versailles a d'ailleurs rendu hommage à André Damien en dénommant la place du Marché Notre-Dame, place du Marché Notre-Dame, André Damien. Un art du compromis qui cache des convictions inébranlables. André Damien possède au plus haut point l'art du compromis qui lui permet de dépasser les différences. Grâce à sa finesse, son humour, sa curiosité des autres, il sait mettre les gens d'accord, mais sans jamais sacrifier ses convictions. Très habile négociateur, à l'Académie, on disait... Pour ceux qui s'en souviennent, malin comme un Damien. Il préfère surmonter les obstacles par la discussion. André Damien n'aime pas les procès. Pourquoi Parce qu'il n'aime pas les conflits et il n'aime pas les échecs. Aussi se faisait-il toujours assister de jeunes confrères auxquels il préfère laisser la lumière, ce pourquoi ils lui sont aujourd'hui encore infiniment reconnaissants. Selon André Damien, la profession d'avocat est la profession des contradictions. Et par là même, elle aboutit à créer des hommes déchirés entre des choix contradictoires. L'échec, la punition excessive sont ressentis par l'avocat comme la mort par le médecin. C'est le doute permanent sur l'action et sur la raison d'être. Avocat à un temps de Louis-Ferdinand Céline, sa carrière a été marquée par un certain nombre de causes politiques nées de la dernière période de la guerre d'Algérie. Il figure ainsi parmi les défenseurs des accusés du procès dit des barricades d'Alger devant le tribunal des forces armées en 1960-1961. Il intervient aussi devant la Cour militaire de justice de Vincennes, dans le procès des auteurs de l'attentat du Val de Grâce. Et dans celui des accusés de l'attentat du Petit Clamart. Il assure encore la défense de plusieurs officiers devant la Cour de sûreté de l'État. Mais devant toutes ces juridictions, après avoir laissé plaider son collaborateur, sa plaidoirie est toujours la même. Je viens d'entendre mon confrère, c'est admirable, je n'ai rien ajouté. En effet, André Damien, préfère de loin s'occuper de ses confrères, organiser le barreau et régler les conflits entre ses membres, ce dont il s'occupe remarquablement bien. Bâtonnier, il se sent responsable de ses avocats. De la même façon qu'en tant que maire, il se sent responsable de ses concitoyens. Il se découvre là un nouveau rôle et il fait vraiment exister et grandir le barreau de Versailles. Très impliqué, il sera reconnu d'ailleurs par la profession et élu président de la conférence des bâtonniers de France. Connu de tous comme Monsieur le bâtonnier, il devient une autorité morale pour toute la profession d'avocat, à laquelle il se dévouera en écrivant des livres pratiques, historiques ou juridiques à destination des avocats. Le barreau quotidien, les avocats du temps passé, Memanto de l'avocat stagiaire, la vie spirituelle de l'avocat au XVIIe siècle, être avocat aujourd'hui, et surtout, et surtout, l'immense, les règles de la profession d'avocat qui fait encore autorité et dont je dirai un mot dans quelques instants. Damien, vous l'avez compris, n'aime pas plaider, mais il aime négocier. Et dans ce registre, il obtient des résultats incroyables. Trois illustrations. La première, André Damien est à la fois membre de la Fondation Saint-Louis. Créé par le prince Henri d'Orléans, comte de Paris, et membre et émérite de la fondation Napoléon, Napoléon que les Orléans considèrent comme un usurpateur. Plus extraordinaire peut-être, André Damien réussit à se faire nommer par Alain Pierrefitte, alors garde des Sceaux, membre du Conseil d'État au tour extérieur. Alors même que la tradition de nommer des avocats au Conseil d'État s'était perdue, qu'une telle nomination est très difficile à obtenir, et qui n'a aucune formation en droit administratif. Plus extraordinaire encore, André Damien réussit dans notre Académie à franchir la barrière pourtant réputée infranchissable entre membres correspondants qu'il est resté 20 ans et membres titulaires. Personne ne résiste au charme d'André Damien, à sa finesse, à son humour, à son talent. Mais son grand art lui joue parfois des tours, car il aime faire plaisir et a du mal à dire non. Ayant promis sa voix, mais changé d'avis lors d'une élection à l'Académie, il confie à un de ses confrères, de nos confrères, Mince, il n'a eu aucune voix. André Damien a l'art de se lier aux autres et de surmonter les clivages. Cet homme pont a dédié sa vie à quelque cause qui comptait pour lui. André Damien a deux convictions inébranlables, la défense de la laïcité et l'importance de la déontologie. Après avoir été conseiller chargé des cultes auprès de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, de 1993 à 1995, puis de Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, de 1995 à 1997, André Damien est choisi pour célébrer le centenaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, apothéose d'années d'engagement. Il participera à ce titre à la commission dite Machelon d'étude des relations des différents cultes avec le pouvoir, créée en 2005 dans le cadre du centième anniversaire de la séparation des Églises et de l'État par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Sa conception de la laïcité divergent de celles des autres participants. Pour André Damien, la liberté et la neutralité de l'État doivent prévaloir. Il est aussi ouvert à la foi des autres qu'il est engagé dans la sienne. Il ne faut toucher à rien, les normes existantes suffisent. André Damien a parfaitement résumé son point de vue dans la conclusion qu'il a prononcée lors de la séance de clôture du centenaire de la loi de 1905 devant notre académie, en présence du garde des sceaux. Certes, la loi de 1905 n'est pas sacrée. Comme toute loi, elle peut être modifiée, mais la République ne doit pas perdre la mémoire. Elle doit se rappeler que la séparation a tranché des questions séculaires relatives à notre identité nationale. À une époque où les recherches identitaires des uns et des autres paraissent menacer la cohésion nationale, le fait de légiférer sur une loi aussi chargée de symboles risquerait d'ébranler notre équilibre républicain. Et de rappeler les vers de Sully Prud'homme Le vase où meurt cette verveine d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine. Aucun bruit ne l'a révélé. Personne encore ne s'en doute. N'y touchez pas, il est brisé. À contre-courant contre de beaucoup de réformateurs d'aujourd'hui, André Damien donne une grande, une grande signification actuelle et future au passé. À ses yeux, la loi de 1905 est d'abord une loi de liberté. Elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire de pratiquer ou de ne pas pratiquer tout en respectant les autres. Il ne faut donc pas développer des normes contraignantes dont la multiplication entacherait notre modèle de liberté publique. D'autres voies sont possibles et c'est aussi pourquoi il s'intéresse à la déontologie. Pour les juristes et spécialement les élèves avocats, le le Damien a été et reste la bible de la déontologie. Mais qu'est-ce que la déontologie Avant, peu de choses. Aujourd'hui, beaucoup plus. Au départ, quelques professions juridiques, libérales et réglementées, réunissent leurs usages, le plus souvent par écrit, dans un document qui n'intéresse qu'elles. Ces usages règlent la vie quotidienne que la profession estime nécessaire de respecter. Ainsi, un avocat qui joue de l'accordéon sur la voie publique, avec à ses pieds l'étui de son instrument, ouvert et rempli de pièces de monnaie, respecte son devoir de dignité, tant qu'il ne porte aucun signe extérieur qui fait référence à sa profession d'avocat. Mais depuis Damien, dont l'ouvrage, qui, quand j'étais étudiant, comportait moins de 300 pages et qui en compte aujourd'hui plus de 2000, depuis Damiens, les déontologues se sont multipliés dans les entreprises, dans la fonction publique et jusque dans les assemblées parlementaires. Au-delà, les codes, les chartes, les guides de bonne pratique, les guides de conformité prolifèrent. Pourquoi Parce que la déontologie et le droit souple qui en dérive reflètent une nouvelle conception du droit qui correspond mieux aux attentes des utilisateurs contemporains. Un droit que l'on se donne à soi-même, non transcendant, non imposé, un droit pour la sanction duquel l'État n'apparaît que très peu ou très tard, avec bien sûr tous les risques que cela comporte. André Damien n'a probablement pas prévu une telle explosion, mais la déontologie et ses dérivés correspondent parfaitement à sa conception de la règle et même à sa conception de la vie. Dans la préface à la septième édition de son ouvrage, il cite ces quelques mots de Georges Bernanos dans le dialogue des Carmélites. Ce n'est pas la règle qui nous garde. Notre règle n'est pas un refuge. Ce n'est pas la règle qui nous garde. C'est nous qui gardons la règle. Paradoxal, André Damien, traditionaliste, mais aussi en avance sur son temps. Damien était bien sûr un homme de droite mais c'était surtout un défenseur de la liberté et c'est peut-être ce qui explique son attachement profond à l'étiquette au décorum son attachement aux règles la forme protège le faible contre le fort une société ce sont d'abord des rites et des institutions pour les porter comme le disait si bien Lacordaire c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Voici Damien, enfin réconcilié avec lui-même, amoureux de la forme parce qu'amoureux de la liberté. Infiniment, chers confrères, nous allons maintenant avoir la joie d'écouter notre troisième et malheureusement dernier intermède musical, à nouveau du Handel. <truits de l 'étonne> merci à cette formation dont je rappelle qu'elle n'a pas pour but de se faire plaisir à elle-même mais également de transmettre le goût de la musique classique aux lycéens de la ville dont Louis Vogel est le maire donc qu'il en soit remercié pour cela aussi et maintenant monsieur le premier ministre va remettre son épée à notre nouveau confrère Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers Louis, au nom du comité d'honneur du comité de l'épée, il me revient de vous remettre cette épée qui signe votre appartenance à l'Institut de France et à l'Académie des sciences morales et politiques. J'en suis profondément honoré et je me réjouis que la date du 9 mai inscrive cette cérémonie dans un calendrier européen en entremêlant des symboles dont nos traditions françaises ont su perpétuer la beauté singulière sous cette coupole, à ceux dont la journée de l'Europe nous rappelle la beauté tout aussi nécessaire et fédératrice. Comme l'écrivait dans le fil de l'épée celui qui était encore le commandant de Gaulle, tous les grands hommes d'action sont des méditatifs. C'est l'épée qui donne sa force aux lois, son acuité à la pensée et son élan aux grandes aventures collectives. La vôtre symbolise indéniablement cette triple aspiration à réformer la cité par le droit, par l'enseignement et par l'engagement politique. Vous vous êtes imposé comme l'une des plus fines lames de France en droit de la concurrence. Vous vous êtes révélé comme un grand professeur capable d'aiguiser en chaque élève la lame d'une pensée, d'un caractère, d'une vocation. Et vous avez appris à trancher les nœuds gordiens auxquels est confronté tout responsable politique pour que votre ville, votre pays et notre continent. Reste de grands espaces de liberté, de prospérité et de créativité. Votre épée aurait pu être celle de Boissy d'Anglas, si vous l'aviez rachetée à la vente récemment mentionnée, ce révolutionnaire éclairé qui voulait le progrès sans la terreur. Le parcours de cet avocat des Lumières et de la Liberté vous correspondait assez bien, mais celle que vous avez choisie symbolise mieux encore la valeur de votre parcours. Il s'agit du sabre pour officier, modèle 1923 qui équipe les promotions de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale. Depuis 1945, cette école est implantée à Melun, dont nul n'ignore ici que vous êtes le maire. Votre épée et votre fourreau ont été conçus et forgés à la main par les fourbisseurs réputés d'armes blanches que sont les établissements BALP. La garde entièrement orée, 24 carats, est main en laiton. Elle comporte quatre branches où se dessinent en relief des palmes de laurier qui symbolisent la victoire, la gloire, la paix et la valeur intellectuelle. Sur la lame droite, forgée main en acier, trempée et main, sont gravés le logotype du cabinet Vogel et Vogel, le blason de la ville de Melun, les tables de la loi et la date de votre élection à l'Académie. La sobriété de vos choix dit mieux que moi la droiture et la noblesse de vos engagements. Les tables de la loi symbolisent votre attachement à l'autonomie, à la prévalence du droit, qui posent les pierres angulaires de notre société civilisée. Les oiseaux qui prendront à jamais leur envol sous votre paume en référence au blason de votre cabinet pourraient aussi symboliser l'envol intellectuel que vous accompagnez chez vos élèves. J'aurais volontiers évoqué le double tranchant français et européen qui marque votre parcours, mais vous avez choisi un sabre et tout le monde sait ici que les sabres n'ont qu'un seul tranchant, à la différence des épées qui en ont deux. Il me semble néanmoins pouvoir dire que votre sabre est franco-allemand, grâce à ses oiseaux, Bogel en allemand, qui rappellent vos origines lorraines. Une alliance de savoir-faire européen concourt par ailleurs à la beauté de ce chef-d'œuvre qui a pour particularité de présenter une lame droite et non courbe. Vous voici donc pourvu d'un sabre. Dégainez-le souvent. Il ne faut pas garder trop longtemps des fourmis dans son épée. Alors n'en gardez pas. Par amour de nos lois, car nous savons que désarmée, elle tombe dans le mépris, par amour des idées qui précèdent et éclairent l'action, et je suis certain que vous continuerez à réunir des esprits éclairés, comme vous le faites déjà au Club d'Iéna, et comme pouvait le faire Fouquet au Château de Vol-Vicomte, Fouquet qui était vicomte de Melun. Puisque je cite Fouquet, il m'est difficile de ne pas penser à Dumas, et puisque je pense à Dumas, il m'est difficile de ne pas penser au début des trois mousquetaires. Quand d'Artagnan vient lui adresser ses adieux avant de partir à Paris, son père lui dit Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier, par conséquent ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je ne suis pas votre père, Louis Vogel, <laughs> et vous ne commencez pas dans la vie. Mais je ne doute pas que cette épée vous incitera à chercher avec toujours plus de passion des aventures intellectuelles et politiques propices à l'élévation de notre cité. Et je vous souhaite qu'elle marque le début d'une épopée qui brillera encore 20 ans après, et pour toujours dans votre cœur et dans notre histoire. bien, à l'issue de cette très agréable et pour moi très joyeuse cérémonie, vous êtes invités à partager un verre. Le temps le permettant, je crois que ce sera plutôt dans la cour, plutôt que dans nos salons où nous aurions très chaud. Et il y aura euh, du bruit de melun. Il y aura du bruit de melun, oui, voilà. Quoi d'autre What else euh, je, je vais demander donc alors à, à la demande de notre nouveau confrère, les académiciens vont sortir d'abord afin que nous puissions faire disons une sorte de photo de classe si je puis dire.